Jean-Marc Jolivet is the lighting designer of Fiesta Set. Jean-Marc, you have downlights, backlights, side lights, you have spot, beam, wash, discharge moving heads, LED moving heads, LED bars, park arms, etc. Altogether, they amount to 90 some pieces of lighting equipment. And you have a teeny stage more suitable for a Greek tragedy than for a rock concert. And you have got to manage 14 great bands completely different from each other over 7 nights. All this taken into account, the obvious first question is it heaven or is it hell? Non, ce n'est pas très difficile, simplement nous devons anticiper toutes les situations, essayer de pouvoir coller au maximum à tous les besoins artistiques, tout en gardant quand même une couleur générale au festival qui se veut lui-même assez festif sur l'ensemble de la programmation. Jean-Marc, where did you place the lights and how are you going to use them? Alors la distribution du placement des projecteurs est assez classique finalement. Nous avons donc la partie contre-jour qui se fait pour la partie habillage couleur avec les wash à LED. Les jacks sont utilisés essentiellement pour tout ce qui est ponctuel, contre-musicien et les effets. En latéral, on a rajouté également des nick wash pour donner la couleur sur la partie de tous les groupes. Ensuite, on a rajouté des raptors pour faire de l'effet au sol en backlight. Voilà, qui nous donne un petit peu de contre-jour et d'effets ponctuels. Jean-Marc, what is your opinion on the Raptor? Ah, le Raptor, c'est une découverte pour moi, parce que je le vois pour la première fois. C'est assez surprenant, c'est impressionnant. On a une sensation de lumière infinie dans le ciel, parce que le faisceau ne s'arrête jamais. Ensuite, voilà, il y a toute la partie, le gogo, le prisme, des choses qui habillent vraiment, qui sont assez appréciables. Plus les petites choses en plus, les frosts qui permettent de l'utiliser autrement que pour faire du faisceau simplement.